Hello everyone, and welcome back to another exciting video. Today the weather is just amazing et je vais me faire un peu pleurer, sauter aux crevettes et je te sens tout happy. Dans une poêle, ajoutez de l'huile, du beurre et de la crevette. Salez, rajoutez du poivre et de l'épice de crevette et faire cuire les crevettes. Sortez-les de la poêle et dans la même poêle, rajoutez de l'huile, de l'oignon, l'ail et le gingembre et faire cuire le mélange à l'aide d'une spatule. Ajoutez ensuite la carotte, si possible des petits pois. J'ai juste des poivrons que je vais rajouter. Et j'ai pris du riz étuvé. Vous pouvez prendre celui que vous avez à votre porte. Assaisonnez de poivre, d'épices verrées, de sel. Et ensuite, rajoutez de l'eau chaude pour ne pas retarder la cuisson du riz. Mélangez le tout pour faire le cuire pendant 10 minutes. Et pendant ce temps, hachez grossièrement les crevettes. Après 10 minutes, remuez un peu tout en recouvrant les couvercles de papier à l'eau. Et ensuite, laissez cuire 5 minutes. Par là, rajoutez les crevettes. Et pour une touche, une saveur spéciale, je rajoute de la ciboulette grossièrement hachée. Et voilà, il ne vous reste plus qu'à déguster. C'est une recette idéale pour un souper des semaines en famille et se faire accompagner d'un grand verre de jus ou d'un bon vin. Voilà, le tour est joué. J'espère que la recette vous a plu et que vous aurez l'occasion de la reproduire, et je serai vraiment ravie de lire vos feedbacks dans la section commentaires. On se dit à bientôt. Bye!